Eh, coucou, c'est Cécile. Une petite baignade du 5 janvier pour montrer la température de l'eau du jour, puisque bah, il y a un an, j'avais pas de thermomètre. Et puis là, bah, c'est équipé avec la caméra, donc, bah. Donc on départ à 13 degrés dans l'air. Et on va voir très vite le thermomètre qui baisse, hein. Donc là, on dirait que c'est mes flotteurs qui font des bulles comme ça. Voilà, on est déjà à 8 degrés. En fait, première impression, très 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 froide l'eau. Donc je commence à nager en me disant que ça va me réchauffer. Et en fait, plus je monte le courant, plus je trouve que l'eau elle est froide. Donc je me dis, allez, je vais aller voir s'il y a plein de poissons. Et je fais un petit demi-tour. L'eau est toujours très très belle. J'adore cette luminosité. Et en effet, l'eau me paraît fraîche. Donc je ne sais pas si c'est dû à mon état corporel du jour. Et voilà, je retrouve mes petits poissons qui sont beaucoup plus nombreux que la dernière fois. Il y en a partout, 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 partout. Et là, mon corps commence à se réchauffer. En fait, ça part du corps. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe dans le corps et qui réchauffe. Donc en fait, moi, j'ai pas besoin de nager pour me réchauffer, contrairement à certaines personnes avec qui j'ai discuté. Par contre, je sens qu'elle est froide. Regarde, on peut voir que les poissons, ils sont toujours au rendez-vous. C'est magnifique. Ces reflets du soleil dans l'eau. On a un super beau temps, il n'y a pas de vent du tout. Et l'eau est super claire. Il y en a partout, à tous les étages, tout autour de moi. Des petits poissons magnifiques, des compagnons de route, de vie. Et non, je ne suis pas seule. Waouh. Ils sont nombreux, hein, aujourd'hui. Quelle splendeur. Donc là, je sens quand même que l'eau s'est rafraîchie. Allez, je vais changer d'angle. Voilà le gros poisson parmi les petits poissons. Donc là, je dis que j'ai froid aux mains. En fait, j'ai les doigts qui me brûlent comme si j'avais les mains dans la neige. Et le reste du corps, ça va très très bien. C'est pour ça que je dis, il y a quelque chose qui se passe dans mon corps qui chauffe, je sais pas, qui me permet de me sentir très bien dans l'eau. Je vais m'amuser avec une petite feuille. Je vais me la mettre sur la bouche et je vais nager avec. L'instant présent, à l'état parfait.
C'est pour montrer que je me sens bien. Et là, je montre que j'ai deux admirateurs, dont un qui fait des sports extrêmes, comme moi, qui à l'âge de 40 ans s'est mis dans le sport extrême, qui dort dans la neige avec des duvets faits pour ça. Hein. On a bien discuté et en fait, ça m'intéresse beaucoup parce que je sens qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'être avec la nature par tous les temps et de me confondre avec elle. De faire cette expérience, de sortir de mon état de confort et d'aller dans mon inconfort et en fait ma liberté, quoi. Surtout de s'écouter soi. Voilà, là je change, il y a plein de poissons d'angle de vue tout autour de moi, ils sont partout, hein. Et comme je sens la fraîcheur au bout de mes doigts, je ne vais pas rester longtemps. Je vais rester 7 minutes et demie. Ouais. Très très belle expérience. Je suis très contente. Bon, avant je faisais les mêmes expériences sans la caméra. Hein. Mais d'avoir une caméra, bah, ça permet de partager. Avec tous les êtres humains autour de moi. Voilà, merci de cette belle baignade. Quelle belle journée.